Je vois que il y a Jeanne en majesté sur mon bureau. C'est-à-dire, il y a une formule, les cocus au balcon. On peut aussi s'attendre au meilleur. Et là, nous avons été gâtés, mais à ma foi, prenons notre destin. Et 89. J'ai été très heureux de ce succès du Rassemblement national, mais qui doit être interprété, selon moi, non pas comme une fin, mais comme un commencement. C'est-à-dire le fait d'avoir 89 députés, c'est-à-dire le chiffre de la Révolution française, est assez symbolique, je crois, et doit servir de guide à l'action future, parce qu'on ne saurait se contenter d'un très beau succès. Avec 89 députés, la formation a la possibilité de jouer un rôle d'arbitre et va incliner forcément le gouvernement vers la droite. Tu retires d'abord les grilles pour voir ce qu'il y a. Non, mais ce mouvement, quand même, aboutit au bout de 50 ans, fondé en 72. À la première consultation, il avait fait 0,74%. Il y a eu du progrès depuis, mais en même temps, ce progrès est relatif aussi à l'affaissement des valeurs françaises, à la fois politiques, sociales, économiques. Pour moi, il n'y a rien de changé. Les principes et les éléments de programme sont les mêmes que ceux que je défendais.